Bonjour tout le monde, c'est mercredi, le jour du tirage du message du royaume des plantes. Je sais pas pour vous, mais pour moi, le temps est tellement élastique ces temps que j'arrive plus à savoir quel jour de la semaine on est. Donc, si, on est déjà mercredi de nouveau. Donc, le temps pour un nouveau message du royaume des plantes. Alors, je vous invite chacune à vous centrer, prendre quelques instants, poser une intention ouverte ou fermée. Peut-être que vous avez une intention, une question particulière pour laquelle vous avez envie de guidance. Peut-être que vous avez simplement envie de recevoir le message qui est là pour vous et pour le collectif aujourd'hui. Et on va voir quelle est la carte qui se présente à nous ce matin. Le genévrier, ah, le genévrier qui nous dit libère-toi de la peur. Le genévrier, c'est une plante et une huile essentielle qui est très intéressante parce que c'est une huile qui va venir nous aider en fait à dissoudre les nœuds énergétiques liés à la peur. Hein. Quand on a des peurs, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, eh bien, ça va créer des nœuds énergétiques, c'est-à-dire une manière de couper en fait la circulation fluide de l'énergie à l'intérieur du corps, en fonction de où les peurs sont situées, du corps physique ou des corps subtils d'ailleurs. Et donc, le genévrier, en fait, il va venir dissoudre ces peurs qui sont là, dissoudre ces nœuds énergétiques. Donc, c'est une huile qui est intéressante, on va lire dans un instant le message du livret, mais c'est une huile qui est intéressante quand on est en train de travailler sur une peur en particulier, hein, par exemple, parce que je sais pas, il peut y avoir, je reviens souvent à ça parce que c'est courant parmi les entrepreneurs, la peur de la visibilité, par exemple, hein, ou la peur du jugement, ou la peur de manquer, ou la peur de l'échec, la peur de la réussite, toutes ces choses-là. Si on est en train de travailler sur une peur en particulier parce qu'on l'a identifiée d'une manière ou d'une autre et puis que on a envie d'aller l'explorer, etc., ben, on va pouvoir utiliser le genévrier, par exemple, avec cette intention-là. C'est aussi une huile essentielle qui est très intéressante si, pour celles d'entre vous qui accompagnez des personnes, s'il y a une peur qui se présente lors d'une séance de coaching, d'accompagnement, quels que soient vos outils, sur le moment, en fait, eh bien, de pouvoir avoir l'huile essentielle de genévrier à portée de main, ou pour vous évidemment aussi, hein, pour eh bien, pouvoir, au moment où la peur est identifiée, pouvoir aller la dissoudre et du coup aider la personne aussi à la conscientiser, à la traverser, à l'accueillir et puis à la traverser. Ça peut être aussi une manière d'utiliser le genévrier si eh bien, vous sentez qu'il y a de la peur au niveau du collectif, par exemple, ou vous sentez que vous êtes influencé par les peurs d'autres personnes autour de vous, sans nécessairement que ce soit les vôtres, sans nécessairement pouvoir les identifier, mais ça peut être là en fait une sorte de prévention pour vous empêcher ben, de les prendre sur vous et de créer ces nœuds énergétiques. Donc c'est une huile essentielle qui est très très polyvalente pour tout ce qui vient toucher aux peurs, le genévrier. C'est une huile qui est super aussi pour les en cas de cauchemar, que ce soit pour les adultes, les enfants, ça aide eh bien à faire partir en fait les peurs qui peuvent être liées au cauchemar. Alors, on va aller lire le message dans le livret qui accompagne le coffret. Donc, le genévrier, libère-toi de la peur, ne te laisse pas guider par la peur. Fais appel à l'énergie du genévrier pour t'aider à transformer la peur et l'anxiété afin de revenir vers la lumière tout en intégrant la sagesse de l'expérience. Libère-toi de l'illusion de la séparation pour pouvoir appréhender la vie depuis un lieu de profonde connexion à tout ce qui est. Ce rappel de se libérer de l'illusion de la séparation, il est important parce que finalement, eh bien, toutes les peurs prennent leurs racines dans cette illusion de la séparation. Illusion qu'on est séparé de la source, qu'on est séparé de Dieu, de la lumière, de l'univers, quelle que soit la manière dont vous l'appelez. Illusion aussi qu'on est séparé peut-être de notre conscience supérieure. Et que donc, ben, la grosse peur de base finalement hein, qui découle de cette illusion, c'est la peur de se retrouver toute seule. Il peut y avoir cette peur vraiment
innée quelque part ou avec laquelle on peut être marqué au moment où on s'incarne dans cette vie-là, d'avoir l'impression, eh ben, qu'on est toute seule en fait, hein, qu'on est toute seule, que Dieu, la source, etc., nous a abandonnés. Et ça, c'est quelque chose, même si c'est inconscient, qui peut nous habiter très, très profondément. Et quand on vient guérir cette illusion de séparation, ben, on se rend compte en fait qu'on n'est jamais seul. Et le genévrier vient nous rappeler justement d'aller explorer en fait, hein, cette peur fondamentale qui est là chez la plupart d'entre nous à un moment ou à un autre de la vie, d'avoir l'impression en fait d'être fondamentalement seul et d'être coupé de quelque chose de plus grand ou d'être séparé de quelque chose de plus grand. Donc, le genévrier, encore une fois, il est vraiment très, très polyvalent et il vient vraiment eh bien, nous aider à travailler tout ce qu'il y a autour de ces questions de peur, d'anxiété, etc. La peur, elle a mille visages différents. La peur, elle peut se traduire par plein, plein de manières, hein. Ça peut être la procrastination, par exemple, hein, le fait de remettre les choses au lendemain. Il peut y avoir une peur derrière. La jalousie, il peut y avoir de la peur derrière. Hein. Donc, c'est d'ailleurs une partie dans la formation aux Annales Akashic Soul Journey, c'est quelque chose qu'on explore en profondeur dans le premier niveau, tous ces visages de la peur, justement. Et ça, c'est un moment que j'aime toujours beaucoup, beaucoup transmettre parce que je vois les étincelles qui s'allument dans les yeux des participantes, de faire le lien, en fait, entre certaines choses qu'elles peuvent vivre et puis cette peur, en fait, fondamentale, cette illusion de la séparation aussi qui est derrière, fondamentalement. Mais donc, le genévrier, voilà, c'est vraiment une huile essentielle à avoir et à utiliser quand il y a un peu de peur, un peu d'anxiété qui remonte et pour nous aider aussi ben, justement à les traverser et comme je disais au début, à dissoudre les nœuds énergétiques qui sont créés par la peur. Donc voilà, le genévrier qui nous dit libère-toi de la peur. Voilà, donc je vous invite à aller explorer tout ça, à aller voir peut-être où est-ce qu'il y a des peurs, encore une fois au sens large du terme, hein, pas forcément la peur comme ça qu'on peut ressentir par rapport à quelque chose, ça peut être beaucoup plus subtil que ça en fait. Donc si ça vous parle, je vous invite à aller explorer ça et à inviter le genévrier à vous accompagner sur le chemin. Voilà, je vous souhaite une très très belle suite de semaine et je vous dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage. Bye bye!